Vous êtes à la hauteur de la surface. Goutsaïev. Et il est passé, Goutsaïev. Attention au centre. Saraceña. Et but. Et but. But de Saraceña. Centre de Saraceña et but de Shangelia. Là, regardez au ralenti. Le beau travail de Saraceña. Shangelia surgit, Pierre Iquillard battu à bout portant. 15 minutes de jeu. Bilici 1, Bastia 0. Quand on disait que l'on craignait le premier quart d'heure, on a juste atteint la 15e minute. Voilà, deuxième ralenti. Et le but. Le centre de beau du pied gauche. Ah là, ça chauffe, hein. C'est centre. Attention, la grisée, Sirema. Eh oui. 14e minute de jeu en deuxième mi-temps. C'était net. Sans bavure. Cette fois-ci, ça sera plus que difficile. Nous revoyons l'action. Alors que le réalisateur vous montre l'ambiance dans le public. Vient remettre sur son pied droit. Kier la soulève et l'offre Thierry Kiar. Donc 14e minute de jeu en deuxième mi-temps, deuxième but de Soulac Bélizé. On se trouvait en position de tir. Vous avez eu deux reprises, on avait relâché, puis Kiar est tenté de se trouver en position et immédiatement on voit un maillot bleu qui surgit. Alors qu'ici c'est Shangelia. Zvaniat est parti sur la droite, mais Shangelia l'oublie, préfère lui se rabattre au centre. Saraceña retrouve Shangelia, pivot, attention. Sur le tir de Shangelia est vu. Et troisième but, le deuxième pour Shangelia. 29 minutes de jeu en troisième mi-temps, en deuxième mi-temps, et but à nouveau de Shangelia, prédation de jeu magnifique. Une combinaison Shangelia-Saraceña. Diarre est battu, et voilà. 3-0. 22e minute, cette fois-ci, c'en est fini les chances de Bastia, qui pourtant, il faut le dire sans aucun chauvinisme, livre une très bonne partie ici au stade du Dynamo. Mais les attaques du Dynamo de Tbilissi ont un tel penchant, les trois joueurs de pointe ont une telle possibilité en eux que chaque fois c'est dangereux, et à trois reprises ça fait mouche. Long centre dans l'Anducci, Mila. Mila récupéré. C'est quand même un match admirable, Mila. Ah oui, c'est bien joué pour Louis Martialis. Peut-être Mila. Et le but. C'est le but qui sauve l'honneur. Pratiquement la dernière minute de jeu, une combinaison entre Mila et Martialis. 3-1. Disons qu'il est mérité ce but. Même si la supériorité des Soviétiques est évidente. Pratiquement dernière minute de jeu. C'était bien combiné. Travail préparatoire de Roger Mila. Bien entendu, Bilici est d'ores et déjà qualifié. Et Bastia aura fait une bonne prestation.